Aussi, bonjour à toutes et à tous. Je voulais saluer mes collègues, en particulier Cyril et puis Cécile Kuterman, la sénatrice. Cyril l'a dit, c'est une tradition d'accueil à la Camarée sur cette activité qui est l'agriculture. On se connaît depuis très longtemps. Hein. J'ai eu l'occasion de travailler longtemps avec M. Chalaron et puis bien des différents présidents qui sont succédés. Je crois que c'est au niveau pédagogique aussi, pour les enfants, c'est toujours intéressant de le connaître. J'ai eu l'occasion de voir d'autres expositions, en particulier dans l'Est de la France, puisqu'il y a beaucoup de communes, c'est spécifique des communes minières, où il y a un certain nombre d'associations qui tournent autour de l'activité de l'agriculture. Alors ça s'explique aussi, hein, parce que c'était aussi à l'époque un moyen pour manger un peu plus, quoi. Et aujourd'hui, c'est manger mieux, parce que ça aussi, il faut le dire, hein. Cécile l'a évoqué en particulier sur les questions de l'agriculture, qui sont des enjeux de société importants, je crois. Et à travers votre activité, bien sûr, vous pouvez montrer qu'on peut faire autre chose que ce qu'on trouve parfois dans les grandes surfaces et les choses qui sont en enjeu. Alors, bienvenue une nouvelle fois à la Récamarie, et merci de votre accueil. Merci, Marc. Maintenant, on passe on va passer aux récompenses, maintenant. Hein? Donc, pardon. Alors, j'appellerai M. Jean-Claude Marquez, qui a gagné le Grand Prix de la Camarée. Il est là, M. Marquez. Il arrive, il vient de loin. Et qui vient de loin. Il vient d'où? Vaucluse. Vaucluse. Vous pouvez l'applaudir. Hein? Merci. Bravo. C'est un éleveur. Je m'appelle monsieur pour volaille, pour le prix d'honneur, hein, c'est pour. Hein. Monsieur André Sabot. Voilà les élus de André Charron. Jacques et Jocelyne Gourbeau de la ville de Firminy. André. Thierry. Bon, voilà. Alors lui, il vient de l'Outre-Loire. Voilà. Bravo à toi. Attends, mais t'es bouge pas. Vous avez fait la vie, très belle salle, et continuez comme ça. Oh. Jean-Baptiste Robot. Allez, Jean. Le charbonnier. Le gardien du château. Le grand Fugerolles. Bravo, Jean-Baptiste. Bravo. Et là, c'est catégorie lapin. Merci. Tu as touché avec les deux. Il y en a plus, parce qu'ils sont pas là. Il y en a qui viennent de Père, qui viennent de Père. Mais bon. Bon, voilà. Et bien, je vais aller à la prochaine. Allez. Excusez. Allez-y.
Non, ouais, non. Je ne vais pas vous déranger aussi. Je souhaite que, je souhaite que l'association... Tu peux... Je m'occupe de leur site internet. Dire à moi, bonjour. Donc je l'ai dit, bon, hein. Non, on est un peu en retard. Excusez-nous, on a eu des problèmes avec le chauffage à Firmini. Et donc, je suis depuis l'instant. Donc il a fallu que je résolve des problèmes. Et n'ayant pas de voiture, j'avais promis que je signe, mais j'ai oublié qu'elle me libère. Voilà, je vois que vous êtes toujours aussi dynamique. Hein, et en plus, vous avez été bien malheur, hein, parce qu'on pensait presque pouvoir tout entendre. Voilà, félicitations. Bonne journée. Les autres, les gens, 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 les